La bande de Gaza, tout proche du blackout et peut-être même d'une grave crise humanitaire. Depuis jeudi soir, sa principale centrale électrique a cessé de fonctionner, faute de carburant. En cause, les restrictions imposées par l'Égypte pour empêcher le trafic d'essence. Les autorités du Caire ont décidé de fermer les tunnels de contrebande à leurs frontières, entraînant quasi instantanément une baisse de 50% des livraisons de fioul à Gaza. Israël a proposé son aide aux Palestiniens, mais l'offre a été logiquement rejetée par les islamistes du Hamas qui gouvernent la bande de Gaza. Consciente de la gravité de la situation, l'Égypte a toutefois promis dimanche après-midi qu'elle reprendrait très vite ses approvisionnements vers l'enclave palestinienne.